Accueil souriant, des pâtisseries alléchantes, des pains et des baguettes de qualité, c'est grâce à ces atouts que la boulangerie Grain a glané sa place en finale de la meilleure boulangerie de France. Notre fer de lance, oui, c'est évidemment le 100% maison, avec de bonnes matières premières, travailler les produits bruts. Donc si on a de bonnes matières premières de qualité, après c'est très facile à transformer et à proposer aux clients de belles réalisations. C'est surtout grâce à leur tartelette pistache fleur d'oranger que l'équipe a séduit le jury de l'émission, mais aussi par leur pâtisserie avec un ingrédient assigné, la laitue de mer, une algue verte comestible et particulièrement iodée. C'est pas facile parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on n'avait jamais vraiment, enfin on n'a jamais travaillé quoi. Je crois que j'avais jamais goûté avant. Donc il y a ce défi là. En plus, on avait goûté au départ, c'était ultra salé. Donc après, ils le disent dans l'émission mais, qu'il fallait le dessaler. Mais du coup, on l'a fait parce qu'on a trouvé ça vraiment trop salé. Et du coup, on a vraiment bossé en équipe quoi. On a échangé, on s'est dit pourquoi, avec quoi on pourrait l'associer. On a vu citron, ça matchait bien. L'iode et le citron, c'est quelque chose qui passe très bien déjà de base. Donc on l'a associé comme ça et on a essayé de le mettre en plusieurs textures et ça a marché quoi. Grâce à l'émission, les deux amis observent une belle ferveur pour leur boulangerie, ouverte il y a seulement un an et demi. En tout cas, c'est vrai, il y a de la ferveur, donc c'est cool, mais pour l'instant, c'est bien, quoi. Après, on va voir, quoi. On va rester tranquille. Engouement énorme après notre passage à l'émission. Les gens sont présents. On ne s'attendait pas à autant de monde. Et on est super content que ça leur ait donné envie de se déplacer jusqu'à chez nous. Leur volonté est aussi de redonner le goût de l'artisanat à leurs clients, mais pour l'heure, place à la finale qui aura lieu la semaine du 8 mai pour découvrir le grand gagnant.